Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis en deuxième année de cycle préparatoire en classe intégrée technologie internationale. J'ai choisi de faire mes études en école d'ingénieur parce que je voulais pouvoir mêler la théorie et la pratique. Le quotidien en école d'ingé, il est plutôt bien parce qu'on est dans une classe où tout le monde s'entraide, on travaille les sciences, mais pas que, on va travailler aussi de l'informatique, le management. En plus de ça, on va pouvoir participer à la vie associative de l'école. Donc en fait, c'est vraiment un plus pour pouvoir un peu s'aérer l'esprit tout en travaillant et en étant avec ses copains. Je pense que pour faire une école d'ingénieur, il faut se lancer quoi qu'il arrive, même si on pense qu'on n'a pas un assez bon niveau. Parce qu'en fait, on peut être surpris des capacités qu'on a et qu'on cache, parce que le lycée, ça va être différent que les études supérieures. Pour le moment, je sais pas exactement ce que je veux faire après. Je sais que j'ai un domaine qui est dans le recherche et développement dans les nouvelles technologies. Quelle spécialité, ça reste encore à déterminer. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter parce qu'on va avoir des choses en cours, des situations qui vont pas correspondre à ce qu'on va avoir en tant qu'ingénieur. Et donc, en fait, ça va être très important de savoir rebondir et être autonome sur des situations, du coup, qu'on ne connaît pas du tout et qu'il faut savoir appréhender.